fait sonner les cloches. Ça va pas, les gars? Bonsoir tout le monde. Ça va plus, les héros? Bonsoir tout le monde. Ah, gros, eh, je suis agacé ce soir. Je les ai à l'envers. Bien sûr que je les ai à l'envers. La radio de Rome s'est fait troncher ce soir. Ah, ils sont venus faire leur loi ici. L'Asio de Rome, les plus gros fachos, écoute-moi gros, j'arrive pas à les encadrer ces mecs. Ils sont venus déjà 400 gros, 400 mecs sont venus ici pour en découdre, même pas pour venir supporter leur équipe. Hein, c'est ce que tu as regardé un peu les informations là, hein. Ils sont venus foutre le roi, mais c'est déjà interdit, ils devaient être interdits dans le stade ces mecs. C'est des racistes. C'est des racistes, c'est des fachos, j'arrive pas à les encadrer, il y a plus de ça les mecs. On perd 3-1 chez nous, hein, c'est ça que vous êtes en train de me dire gros. Un point en 3 matchs, l'Europa League elle nous file sur le nez, c'est ça, on abandonne l'Europa League, c'est ça que vous voulez me dire les gars, hein. On arrête tout alors, dans 3 jours, il y a le Classico, qu'est-ce qu'on va faire les mecs? Qu'est-ce qu'on va faire dans 3 jours? Si tu perds 3-1 contre le Lazio de Rome et que dans 3 jours, tu as Mbappé, tu as Neymar, tu as Cavani, gros, tu rentres à la maison, tu joues pas. Je sais pas, gros. Ils ont fait, on déclare forfait, comme à l'ancienne quand on était en pupille, c'est ça, gros. On n'y va même pas au rendez-vous. Eh non, les mecs, c'est pas comme ça. Et nous, comme on aime, comme on vous aime, les mecs, c'est comme vous aime, c'est quand vous avez ce grinta, quand vous êtes marseillais, tu vois ce que je te dis, en gros, que vous lâchez rien. Je me suis fait chier de la première à la 85e minute. Ouais, parce qu'il y a Dimitri Payet, il a mis un but, tu sais. Ouais, il a décroché une frappe à lucarne, un coup franc, en gros. Il te l'a envoyé aux phrases, le mec. On s'est tous réveillés, on s'est dit, allez, ça va, ils vont essayer de revenir. Mais revenir où, tu vois? Ah, où c'est que tu vas revenir? Voilà, si tu n'as pas Luis Gustavo, ce soir, tu t'en prends 150, gros. Il n'y a que lui qui voulait se trouver des opportunités entre les Dimitri Payet. Sinon, ce soir, on a vu des gueux. Des gueux, on n'a pas trouvé ce soir. Des gueux, gros. Il était sur la pelouse, il était. Mis à part Luis Gustavo et Payet. Voilà. Tiro Immobile. Il est brave, tiens. Les Italiens, vous êtes sont bien beaux, les pasta, les macchicola fatto, les testa di cazzo, et les affanculo, tu le connais ça gros, hein? Que toute la journée tu nous as gonflé, et c'est racité dans toute la ville. Vous êtes en train de faire quoi, un labyrinthe gros? On vous a cherché le partout, les mecs de la radio. Vous avez foutu le roi à Marseille. Après, on se plaint de quoi? De pas pouvoir supporter notre équipe dans un autre stade, de faire des déplacements. Mais c'est grâce à cause des enculés comme eux, gros, qu'on peut plus faire de déplacements. Point barre. Et ça me fait chier. Parce que Costa, ce soir, il était présent, gros. Mais c'était que là. Présent, tu étais, là. Mais faire quelque chose, tu l'as pas fait, Costas. Donc, le site t'a qui, gros, ce soir? Je le danse pas. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'attaquant ce soir. Mais voilà, on nous dit que quoi? Il n'y a pas Tovin, Tovin, pas Tovin. Mais Tovin, gros, Tovin, c'est notre petit bébé, c'est notre petit joyau. Si tu n'as pas Tovin, tu le vois depuis 2-3 matchs là. On ne va plus bien, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, on ne sait même plus où on va, gros. Parce qu'il n'y a pas Tovin. Parce qu'il n'y a pas Tovin que c'est notre clé de Marseille, gros. Voilà. Et on se dit qu'on joue à 11, alors qu'il n'y a pas eu joueur. On se dit que c'est à cause de ce mec qu'on n'allait pas gagner des matchs ou à faire des beaux matchs. Parce que ce soir, on n'a rien fait. Dimanche dernier, tu le joues 20 fois le match. Tu le perds 19 fois. Voilà. Donc voilà, les gars. Si. Je suis sorti un peu de mes gants, gros. Je suis engagé. Je suis tendu. Tu vois ce que je veux te dire? Dans 3 jours. Qu'est-ce que c'est? Ramenez la coupe à la maison! Allez les bleus, allez! 20 ans après, vous êtes champions! On vient laver! Allez l'OM, allez! Gigot! Quoi? J'ai pas de la merde, Gigot! Ah, mais j'étais au boule à côté! On m'a demandé de ramener la coupe ici au club. Mais quelle coupe? Qu'est-ce que je suis en train de me gonfler là? Je suis tendu! La coupe pour l'Europa League! Mais on n'a pas besoin de cette coupe! On a déjà les toits, on a tout gagné! Mais quoi, frérot? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais au bout, il est 23h15, il est en train de dormir, tu fais un bruit, un boucan. Mais je m'en bats les couilles, je dis ce que j'ai à dire. Oh, j'ai goût. Quoi? Et ça me gonfle. Mais quoi, mais dimanche, tu vas faire quoi?
Tu vas pas complet, tu vas nous faire complet malade, casse la trille. À tout moment, je le sens, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je sais pas. Ah, je la pose et tout, je vais derrière le bar, moi. Va derrière le bar, mais pour que tu veux, c'est quoi? Ça à quelque chose de moins cher à boire. Tu vois, tu veux, tu bois quoi là? Et moi, c'est quoi? C'est 51 mais sans alcool. Ah, t'es à l'eau quoi? Et Ricard sans alcool. Et dimanche? Dimanche, gros, dimanche soir, voilà. Et on nous parle de personne au stade. Dimanche ce soir, voilà. Des gars au stade. Dimanche soir, tu vois, on nous parle à chaque fois de dimanche, on nous parle du classico, on a envie de ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire dimanche, les gars? Bandez pour nous, parce que nous, on bande pour vous. Nous, quand tu nous ligotes. Prends un verre d'eau. Je te remercie. Prends-le sur la tête. Rafraîchis-toi les idées. Ah, c'est ce qu'il me fallait, Gigo. C'est ce qu'il me fallait pour me calmer, gros. Les gars, dimanche soir, j'espère que vous allez répondre présent. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de vous. Faites-nous bander. Montrez ce que c'est l'Olympique de Marseille. Montrez cette fierté de porter ce maillot. Ce sont des hommes qu'on va avoir devant nous. Ils ont deux bras, deux jambes, comme je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit. Neymar, Mbappé, Cavani, ce qui change avec eux, c'est quoi gros, c'est le salaire. Ils sont pleins de 200-300 bâtons par mois. Passe-moi le balai, Gigo. Tu as raison, passe-moi le balai. Hein? Donc dimanche, les gars, il n'y a pas à faire de faux pas. Je vous le dis, on sera présent. Montrez vos couilles, gros. Montrez-les, portez-les, faites ce que vous avez à faire, gros. Mais montrez de quoi vous êtes capable. On va fermer. On va pas tarder aussi, ouais, je sais. Donc sur ce, J-3 avec le classico. Je vous embrasse. Merci Gigo pour passer le balai. Allez Gigo, voilà, c'est le Sancho. Sur ce, merci. Je pars. À moi de tir. Allez, ciao, ciao. Thank you.